Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un super produit qu'on a en magasin. En fait, c'est la gamme Bioka, qui est une gamme de probiotiques qui existe depuis plus de 20 ans. Et puis, c'est les pionniers dans le domaine des probiotiques. Et j'ai déjà fait une capsule sur les probiotiques, mais pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, je vous fais un petit résumé rapide. C'est quoi l'intérêt de consommer des probiotiques sur une base régulière? En fait, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui ont été étudiées pour leur impact positif sur la santé humaine et qu'on va ingérer par voie orale, que ce soit sous la forme liquide ou la forme de capsule dans laquelle les bactéries vont avoir été réduites en poudre, en fait, et mises dans une capsule entérique qui va protéger les bactéries, en fait, de l'acidité de l'estomac. Parce que ça, c'est un des critères importants quand on achète un probiotique. Certains probiotiques vont être détruits dans l'estomac parce que l'acidité va défaire la capsule et les bactéries vont mourir avant de se rendre à l'intestin, ce qui n'est pas l'objectif visé. Dans le cas de Bioka, on a soit un emballage entérique qui protège les bactéries justement jusqu'à ce qu'elles se rendent à l'intestin. Et là, dans l'intestin, la capsule peut s'ouvrir. Ou sinon, on a aussi la forme liquide qui va assurer une protection contre l'acidité gastrique de par la forme. Et aussi, c'est des souches qui sont résistantes à l'acidité gastrique. Fait que c'est une très belle compagnie au niveau de la qualité des souches et des études qui ont démontré des améliorations, par exemple, sur la flore intestinale. Pourquoi on voudrait avoir une meilleure flore intestinale? Parce que ça peut impacter notre humeur, notre énergie, notre santé en général, notre immunité aussi, parce que beaucoup de notre immunité, 80% qui est dans l'intestin, une meilleure motilité intestinale. Donc, les gens qui souffrent de diarrhée, de constipation, de syndrome du côlon irritable, c'est toutes des choses qui peuvent être améliorées en général avec la prise d'un probiotique. Puis, il y a différents probiotiques selon les besoins. Par exemple, Bioka ont justement un produit pour le syndrome du côlon irritable et j'ai eu des très bons commentaires sur les impacts que ça peut avoir. Donc, les gens qui ont des problématiques qui alternent entre diarrhée, constipation ou qui ont tendance à aller à la selle vraiment plusieurs fois par jour à cause de l'irritabilité du côlon. Puis, il y a un côté vraiment important à travailler avec le système nerveux dans un contexte comme ça aussi. Sinon, on a aussi, pour les gens des fois qui prennent des antibiotiques, Bioka a fait des études et ont démontré que la prise de leur probiotique en même temps, ben pas en même temps, il faut attendre au moins 4 heures, mais durant un soin antibiotique, ça va permettre de réduire les risques d'infection, par exemple des diarrhées associées aux antibiotiques et des fois les risques aussi par exemple, de C. difficile si on est hospitalisé ou des choses comme ça. Et puis, les Bioka liquides, pourquoi qu'on utiliserait ça? En fait, c'est une façon facile d'intégrer le Bioka parce que c'est un produit buvable qui goûte bon, qu'on va intégrer dans notre quotidien. Si on est malade, on a une gastro ou quelque chose comme ça, on peut prendre un pot complet par jour. Mais sinon, on va aller habituellement avec un quart de pot par jour. Donc, un pot nous dure 4 jours. Souvent, il y a 50 milliards de bactéries actives par capsule. On a la version mangue avec le soya. On a aussi la version au pois avec de la framboise, donc sans produits laitiers dans les 3 cas. Et sinon, on a aussi une nouveauté chez Bioka qui est vraiment bien pour le système immunitaire durant la saison froide. Ils ont ajouté de l'extrait de sureau, qui est une plante qui a des propriétés antivirales et est vraiment intéressante au niveau immunitaire. Donc, on peut intégrer le Bioka là, à chaque jour. Puis dans celui-là, il y a 80 milliards de bactéries actives par peau. Donc, c'est vraiment intéressant à connaître et à intégrer. Puis, si vous avez des questions, besoin d'être conseillé sur lequel serait le plus approprié, passez en magasin. Moi et Nathalie, on va pouvoir vous répondre. Mais je pense que durant la saison froide et pour les gens qui ont des problématiques digestives ou même, ça peut aller plus loin, mais au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie, au niveau de la santé générale, les probiotiques sont une belle approche naturelle. Et puis, c'est comme un peu une façon simple d'intégrer ça, parce que ça, c'est comme une forme de yogourt buvable, mais qui est vraiment thérapeutique versus un yogourt régulier que les souches n'ont pas nécessairement été étudiées et en aussi grande quantité thérapeutique. Fait que c'est vraiment facile à intégrer. On peut en utiliser pour les enfants aussi. Donc, passez en magasin si vous avez plus de questions. Merci beaucoup. À la prochaine. Chin, chin! Chin! Santé! Santé! Mmh, wow! Excellent! Super bon!